se lance. Holy moly moly. T'as pas une pelle et un râteau là? L'idée aujourd'hui, ça va être de modifier la table. Le bac blanc que vous voyez là, il faut que j'arrive à l'incorporer ici. Pour tout simplement se faire un bac à vidange incorporé à la table. Et de créer par la suite un système pour évacuer l'huile. On se lance. Heureusement qu'il y a le lido. Oh, culé. Y'a rien qui est drôle. Les gars, ça y est, c'est fini. Allez devant moi là. Faire de la mécanique pour les fluides et tout. Pff, ça va être le top. On va faire la vidange. Première fois qu'on fait une vidange avec la nouvelle table. Aujourd'hui, on a un copain avec nous. Ike. Ta mère. Ouais, les grosses truffes. Ouais, les gros méchants, tiens. Ouais, les méchants, les tiens. Il y a quelques petites nouveautés pour faire des vidéos de meilleure qualité. Je voulais un petit micro à mettre dans le casque. Et je me suis retrouvé avec ça. Il est immense, le truc. Aujourd'hui, l'idée, elle est simple. Vidange. Ah ouais, une petite bordel aussi. Vidange, filtre à huile neuf. Donc, je disais, vidange. Tu vas foutre le bordel là aussi? C'est incroyable. On n'est pas forcément. Il est couché. Ah. Du coup, première fois ouais, qu'on vidange la moto depuis qu'on a fait la table, c'est maintenant. Non mais largement, même que c'est étanche. Mais bon. C'est pas grave. Serrage au couple. Clac. C'est bon. Allez, je sais pas ce que ça va donner, le nouveau matos s'est installé, caméra, micro. Alors je vous demanderai juste un truc, c'est d'être un peu indulgent. J'ai pas roulé dans le sable depuis très très longtemps. Oula. Par contre, qu'est-ce que c'est éclaté? Oh, faut que j'y ai l'habitude. Oh, c'est trop fun. Oh, la régalade. Oh, par contre, j'ai pas de train. Oh,
putain, j'adore. Oh merde. Ah salope. T'as pas une pelle et un râteau là? Pas ça, mieux qu'un démarreur. Avec leur gros 4,5 là, et leur pelle à tarte en guise de pneu là, moi j'arrive avec mon petit 2,5 et mes pneus à crampon de terre. C'est chaud mais c'est drôle. Hey. Je te l'ai dit la dernière fois là, tu te recasses quelque chose, je te renvoie chez ta mère. Look at me now, look at me now, I got a level right. Finalement, je suis peut-être un pilote de sable. Ça, ça s'appelle le karma, tu vois. Finalement, peut-être pas tout à fait prêt pour le touquet. Look at me now, send the water, send her yo, the sugar bow bow. Look at me now, look at me now. Tell them what change about it, no one's touch a chow pow. I got fanny Gucci Prada over me now. Time to run with done and got it, she's on wrong, yo. Yo, just a meal, I run with done my boy. Web size and someone show her boots and shoe. That was daddy, too, but seven made true. Told her cut it out, too, for run with me to loot. Yeah. Ah, la branlée que j'ai prise. Ah. Oh putain, ça a merdé. Tu fais mal? Je sais pas trop pour l'instant. Ça va. Tu peux m'aider à la sortir? Oh là là. Look at me now, look at me now. I got a Lambo ride, dodgy, look at me now. From the bottom to the top, look at me now. Send the water, send her yo. Oh putain, j'ai mal au poignet. On va en mettre une dernière louche. Oh, ça pue dans le casque. Y'a personne sur le terrain? Bon, autant qu'on va rouler plus vite. Hein. Oh là là, le vol que j'ai fait me mettre là. Ah, tu te pouettes, pouettes, la voilà. La tête au mobile. Ah, tu te pouettes, pouettes, la voilà. Give it to me.
taper. Ouais. Journée franchement top l'après-midi, moi j'ai kiffé. J'ai un peu mal au cou. Oh, au coude, mais non. Ouais, le coude avant le pied. Ouais. J'ai un peu mal au poignet. Ça va aller, hein, c'est rien, c'est juste une petite confusion. Après, j'ai des griffures partout, des ronces forcément. En vrai, je connaissais pas le sable. J'en ai fait qu'une fois, c'est la première fois que je roulais en motocross. J'ai kiffé et je pense que c'est hyper complémentaire avec la terre. Vraiment. Alors par contre, il y a un bête d'avantage, c'est que la moto, à part de la poussière, elle est nickel propre. Maintenant, il va falloir tout bien nettoyer pour virer le sable. En vrai, par contre, j'ai kiffé ma journée. Rouler dans le sable, c'était un truc où vraiment je ne savais pas. La seule fois où je l'ai fait, c'était il y a 3 ans. J'avais pas kiffé du tout, tu vois, j'avais failli tout revendre. Mais j'ai kiffé. J'ai mal au poignet. Franchement, c'était du kiff à 10 000%. Et sinon, je vous dis à très vite. Ciao. Si ça t'a plu, like, partage, abonne-toi, ça fait toujours plaisir. En plus, c'est gratuit.